Ah non, y'a personne en fait. Non, non, t'es tout seul, ouais. Ah, bah, you got about 5 laps of fuel. On va piquer. On disait, y avait peut-être plus de trafic. Bon. Je suis tellement pas l'habitude que je sors en pitimiteur. Ah bah le premier tour. Ah oui, quand tu fais le pitimiteur, t'actives le... Non, mais si j'ai pas le... Là, tu peux rejoindre. Je vais essayer de jouer, c'est sûr. Ouais. Tu... Ouais, spot. Elle est froide. Ouais, il est dans la montagne. Je prends plus. Ça y est, j'ai trouvé pour l'épingle. Ok, tant que t'es dans une droite, c'est toi qui as baissé à 9 l'ABS. Possible. Parce que t'es passé de 10 à 9, c'est pour ça. Thank you.
crois que j'ai trouvé. T'as vu que j'ai trouvé. Putain, tu fais quoi alors? Tu sers à droite en fait. J'ai trouvé exactement le moment où je dois toucher les freins. Le moment où il y a la bosse. Allez. Il est là le 2-4. Nice. Putain voilà. Nice. Putain, je cours après depuis 3 putains de jours. Oh, nice. Oh putain. Bon bah voilà. Bon, ouais, j'ai pensé à t'arrêter pour que je puisse le faire aussi. Bravo. One lap to green. Ok, c'est bon, je te vois. Pit road is closed. Tire off, il est mis. Je peux déjà sélectionner le fuel pour le prochain arrêt. Ah, je le vois, c'est bon, c'est à 110. Okay. T'as 33 tours. Les pneus, tout est prêt. On sera les seuls sans notre livret, même tant pis. Good luck, guys. The 18th car, catch the 19th car, catch the 2 car. Yeah, good luck everybody, play it safe, eh? Good luck, drive safe. Get ready, going green. The pace car is in. Green, green, green! Car right. Clear on the right. Right side. You've got a slow car on the left. Stay on the left. Clear. Gros crash. Allez, hop, ça c'est fait, 5 places. Il y a un bouchon terrible à l'arrière. Pour ça je t'ai dit gros crash, t'as rien dit d'autre. Je suis le seul qui est passé. Dès qu'il dit carte stop, je
pression des freins. Bon, pas mal, pas mal. J'avais peur qu'en coupant sur la gauche je prenne un off-track, mais ça va. Non, j'ai mis les gants au cas où s'il fallait, je peux les enlever. Et nous sommes que des GT3, il n'y a aucune Porsche. On est combien? 23? Nous, la position tu parles? Ouais, 23. Oui, 23. Bien fait de prendre le départ parce que j'étais à 22 fps. Très bien. Là c'est revenu. J'ai 8 voitures au box. Je te rassure, on y passera aussi. Oui, non, je veux dire. Pour l'instant. Je perds quasiment une demi-seconde de tout par
rapport au gars derrière moi. Ouais, mais il est costaud. Les deux derrière toi, c'est des costauds. Je suis clairement pas à fond, je suis sur la réserve. Oh non, mais tu fais bien. Attention à la période des 90 litres, c'est un peu plus instable. Ouais. Derrière ça revient fort. Ouais, je sais, je jette un oeil à ce qui se passe derrière. Non mais ils sont loin, mais je te préviens avant. 5 secondes, je garde un oeil au-dessus. Pas mal hein. Non,
mais elle pauvre. Vas-y. Crache devant, mais il est à droite, donc t'inquiète. Il y a direction cassée devant, donc fais gaffe. Car stop on the right. Car stop on the right. Bah, tu vas tout arrêter sur la droite. Y'a rien du tout. C'est juste celui qui est devant toi qui... Putain, je perds du temps. Merci. Car right. Clear. Oh, s'il pouvait faire chier les autres. Putain, il s'écarte, putain. Ça, de toute façon, c'est le jeu, hein. Ça ne me dérange pas. Son perso derrière va se rattraper avec la, oui, il est la vitesse qu'il a. Je ne fais pas d'illusion. Je préfère l'avoir maintenant dans le secteur, entre guillemets, rapide. Ouais, s'il faut, tu relâches avant le frein. Non, non. Je vais pas relâcher non plus 300 mètres. Ouais, non, mais... C'est beaucoup plus rapide. D'avoir la speed. Tu vas pas vouloir suivre son rythme. Non, t'inquiète. T'as une Mercedes qui sort à gauche. Ouais. Il freine, c'est bon. Allez, faut qu'il tienne la voiture de derrière un petit peu avant l'épingle. Je crois pas trop, mais c'est parti. Ouais, il laisse passer. C'est la phase des 90 litres, je suis content. Ça a tapé à gauche, c'est bon, il est parti. On
balance de frein, je suis trop fort, je suis en 52,4 si jamais t'as des doutes. Et je bloque pas les pneus à l'avant, donc impeccable. Ça rentre au box pour la faire vite, non? Non, pas les. Bon, derrière c'est du lourd, hein. C'est du V10 et tout ça. V10R. Oh, peu importe le maillot, on a la même passion. Pareil, il y a un mec normalement qui est en blue flag derrière là, qui était sorti des stands, mais il roule fort. S'il est parti avec les blue flags. La corde à droite, c'est pas grave, je suis ultra safe, hein. Désolé, hein, mais... Oh non, il faut, moi je serais pareil. Non, 2-7, 2-8, mais... Aucun problème. Le but c'est à finir, c'est pas de... Ouais, j'aimerais bien prendre une voiture en bonne état, c'est ça que je m'attelle. Jamais la 5, là maintenant on est obligé de la mettre, parce que j'ai la 4 est vraiment trop courte. C'est ça, ouais, en course, ouais. Faut mieux pas péter le moteur. Je pense que la boîte, la deuxième, elle est chiante, la vache. Elle est chiante à rentrer, ouais. Quel mec qui va tenter de te doubler. Ouais, je connais la couleur, on les salue d'ailleurs.
Ah, quoique. T'inquiète. Doit me détester. Non, ils sont très très propres. Il y a plusieurs endroits où je vais t'attaquer, il l'a pas fait. T'as intelligence de course, c'est bien. Je crois que j'ai tapé le mur et j'ai même pas pris un fois zéro. La voiture elle a rien. Okay. Derrière toi t'as le V. T'as le V10 et derrière lui c'est un blue flag, mais il est vraiment rapide aussi. Okay. Allez, il va y aller. Non. Il s'est décalé dès que t'as voulu. Là, on lâche la corde. Je pensais pas qu'il allait la tenir aussi ouverte. Je pensais qu'il allait refermer. Mais bon, c'est bon à savoir. Il a pensé que t'allais dedans. Je sais. Pour essayer de le déstabiliser, mais je peux pas rivaliser avec la Mercedes quand il arrive. Attends, droit dessus. Ah, il a un feu arrière de pété, mais ça va être... Fais attention, donc la V17, feu gauche pété. Hein. Si tu attends qu'il touche les freins tout de suite, sois prudent. Je crois que je suis pas le seul à glisser. Hein. Je vois rien, j'ai aucune info sur les pneus. Pour moi ils sont à 100% partout. En fait c'est que quand on s'arrête. Ça va, 22ème. On est pas mal. Voiture propre, pilotable, pas trop de stress, c'est bien. Toute l'armada qui s'est plantée qui va arriver, je les vois au loin. Je crois que c'est serré les écarts derrière. Aller loin. Ménage sa voiture. Tellement soulagé pour pas prendre de off-track.
derrière l'écart, 2 secondes. Je commence à voir les phares de la voiture dans le rétro. Je ne panique pas, hein. Mais ils se fightent de fou, c'est quand il y a des... Ah, s'ils arrivent vers toi, faudra faire gaffe parce qu'ils sont chauds. Hein. Ils essaient de se doubler dans la montagne. Ils perdent du temps, j'étais à 2,7 au tour précédent, je suis à 3,7 d'avance. Bon, je leur ai pris une seconde sur le tour. Enfin, ils ont perdu une seconde, c'est pas moi qui l'ai pris. Le 52-4, c'est nickel. Ça ressort des boxes. Ah, c'est sorti vraiment bon. Ouais, mais je te le signale quand même pour te dire qu'il y a un mec plus long. Ouais. Il est 52e. Alors là, j'avais pas du tout la trajectoire. En fait, dès que tu arrives dans les litrages impairs au carburant, donc 70, 90, 50, elle perd complètement la confiance que tu as dans les litrages pairs. C'est peut-être con, mais c'est un point de repère que j'ai. La phase des 90 litres s'est bien passée, la phase des 70 un peu glissante, et là la phase des 50, je crois que je vais commencer à avoir du mal. Mais ça va, hein, c'est pas du tout... Là j'ai perdu la seconde que j'avais gagnée. Ça je comprends pas, je t'ai dit, ils arrivent derrière, ils déboulent. Ouais, ils déboulent, ça va, hein, ils remontent pas du tout. Ouais, c'est la façon, c'est un peu... c'est chaud quoi. Ouais, bah s'il faut soulager, laisser passer les deux, c'est pas grave. Enfin, ils sont trois, je crois. Quatre. Ah, ouais, on s'aide beaucoup. Ah, ils sont vraiment chauds. Mmh.
Ferrari devant parapluie, tout ce qu'on ne peut pas tomber. C'est un peu flag. Oui, justement. En fait. Ouais. Je dis rien, je gère derrière. Et la voiture retrouve du grip. Ouais, 53 litres. Drapeau jaune devant. Ouais, tu vois rien. Il a juste touché apparemment. T'inquiète, je le calme. Car right, clear. Car right. You're there. Clear on the right. Je t'ai dit, ils sont fous furieux. Premièrement, c'est pas bien joué parce que j'ai manqué d'aller dans le mur et je me suis arrêté pour pas taper. Et je les ai passés à l'extérieur. Et je crois que la première des deux a tapé à cause de moi à l'extérieur à la sortie du Falcon. Je crois que t'avais fait exprès. Moi. Ah non, 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 non. Bah, j'aurais bien voulu, tu vois. Mais... Et les deux qui. J'ai une paire d'équilibre dans le Falcon. Les deux qui sont derrière, c'est pareil. Hein. Ok, t'inquiète. Ils sont aussi fous. Non, mais c'est pour ça. T'as vu, Ascaline a essayé de te doubler le mec. Donc... Chacun fait sa course, pas de problème. Left side, still there, clear on the sûrement aller, je vais aller manger Max, donc je reviens après. Ça marche. Une couche de spec.
les litrages pairs et la voiture est de nouveau pilotable. Thank you, buddy. Tout se passe bien pour l'instant, parfait. Ok. Allez, on est passé en 2-6 avec la perte de poids, c'est pas mal, 2-6-8. Si vous restez constant, vous allez en 2-7. Il reste encore plus de carburant, je crois. 40 litres dans la voiture, pas mal, pas mal. On consomme un peu moins, on prend un peu plus safe. Malheureusement, je peux pas te donner ce genre d'information au niveau de l'essence. T'inquiète, c'est pas grave. Thanks, man. Sorry. Ah, it's okay. Long way.
Reste concentré, prends pas de risques. Il est clair, bien joué. Thanks. Il est 46ème, mais... Deuxième qui monte pas dans la descente, elle nous le fait parfois. Les deux devant qui se tirent une coupe terrible. Derrière on arrive à tenir, il y a une autre voiture qui arrive, 12.5, ça va, j'ai le temps. On va encore un peu de temps pour prendre en compte. On va encore passer la fin, c'est bon. Allez, confiance, première cocotte, c'est pas grave. Ferrari derrière, ah, il a perdu. C'est bien.
suis de nouveau là s'il faut. Ok, vérifie le pare-brise pour l'arrêt. Je sais pas si on l'a fait, je commence à avoir des saletés. Ah, tout ça c'est fait. Pour le pit, c'est bon. Ok, il faudra juste me rappeler de piter. Je me concentre pas sur les tours qui restent. Il m'en reste 8,3 estimés. Je suis à 28 litres. Le JRT va biper si. Je te rappellerai aussi. Ouais. Je me sens rapide qui se lave et je sais pas. Parce que je t'avoue que je lis des informations quand je mets plein sur le JRT, mais pour le reste... Il va s'allumer en rouge et il va clignoter. T'auras toutes les infos. Mais il va biper, pas clignoter. Ah ça y est, il est passé devant la Ferrari derrière. La phase des 30 litres est vraiment gérable, hein, franchement. Okay. Pas de soucis à avoir. Oh, je l'ai pas eu. J'ai pas eu le off-track, putain. J'étais arrêté pied sur le vibreur. Je sais pas comment c'est pas chaud. Il revient proche derrière, attention. Il a fait une petite erreur. Il a fait une petite erreur, il est reparti un peu. Ouais. Pour info, on dit lui, il a pas les temps, il a rien, il a juste... Oui, je sais. Et il me sert de post-it quand je dois te dire un truc parce que... Je pense à un truc quand t'es pas là et... Pas de soucis. Par contre fais gaffe, à la deuxième elle fait des frayeurs. Ok. Faut pas hésiter à bien freiner pour qu'elle rentre dedans. Fucking hell. Ah. Ça commence à parler aussi. Elle a tapé celle de devant, elle est pétée. Hein. Ok, j'avais pas l'info. Ok, alors à partir de maintenant, je sens après 25 litres environ, je sens qu'il n'y a plus assez de poids dans la voiture pour faire l'appui aéro. Donc j'ai pas mal de délestage dans les décompressions et les détentes, dans les compressions et détentes, pardon, dans le deuxième secteur. Faut pas faire gaffe à ça. Thanks, man. Tu vois ?
d'assuré ce qui est. Ouais, il va prendre. J'ai aucune info sur ça. Il reste combien de tours à faire avec ces gommes là? 5 tours. Je vais essayer, mais une frayeur comme je viens de me faire, si j'en fais encore une au prochain tour, je crois que je vais rentrer. Il reste 2 minutes à tenir et ça, on n'aura pas ce devant. Devant. Parti à la faute. Une chute à cheval, ça monte tout seul. Derrière ça chiffonne. Ouais, une seconde si j'ai vu. Il est 42e, le perdateur va perdre du temps. Non, il stabilise, derrière. Ouais, ça revient fort. Déjà, putain. À une heure. Question con, y a une limite de plus flax? Non, je pense pas. Mais méfie-toi quand même. Ils sont 3, puis on a un 4e derrière. Merci. Laissez passer derrière. Merci.
J'ai vu l'autre derrière, pas de panique. C'est un blue flag derrière. Non, il y a encore la Ferrari derrière. Quand tu dis c'est un blue flag, j'ai l'impression que c'est moi qui dois laisser passer. Non, la voiture derrière toi, c'est un retardateur. D'accord. Parce que quand tu dis c'est un blue flag, je me dis je dois appuyer un blue flag. Par contre, derrière la Ferrari, c'est des mecs que tu dois laisser passer. Il y a le 23ème qui est derrière la Ferrari aussi. Un drapeau bleu, et puis après il y a le 3 et 4. Il me reste 3,4 tours estimés. On se dans la voiture. T'as dépassé l'heure, donc c'est à toi de le sentir quand tu veux piter. C'est pas du tout, passer, hein, quel connard. Hold your line. Clear on the left. Pas se battre, ça sert à rien. Ouais, j'ai dit t'énerve pas, ça sert à rien, laisse-le. Dire ta info, tu vois. Pneu essence. Essence de trop. Les pneus, j'ai aucune info. Non, j'ai tout demandé. Pneu essence. Je boxe next lap. Il reste 2,3 tours. Je vais retourner au prochain. Ah. Le lead is spinning now. Okay, le leader de boxe. Ouais. Ça va, on est sur le même rythme niveau strat que les Mercos. Premier abandon. Attention la Velocity, si vous êtes chiant, je vais réguler avec Azix. Je confirme pit ce tour. Les pneus sont potables, hein, mais... Ouais, les pneus sont stables.
tu pourrais même refaire encore un tour. Mais vas-y, oh, arrête-toi. Pour info, je me suis mis en pit lane, comme ça je pourrais te dire quand tu vas ressortir ces dévachins. Mais il est où le pit surtout? Ok, je le vois pas. Je l'ai vu, je l'ai vu. Box numéro 22-23. Ok. Ok, ça remplit. Tire off, c'est fait. Ouais. The lead is pitting now. Donc je suis en vue pit lane, donc je ne vois pas après. Donc je te dirai juste les mecs que je vois arriver dans la ligne droite. Ok, je vois un coup. Désolé pour ça, mais bon. Ah, pour info, les gens demandaient si tu live, j'ai dit non. VOD, ouais. J'ai dit sûrement enregistré, j'ai dit à voir avec lui quand il aura fini son relais, s'il veut filmer la fin ou je sais pas quoi. Mais... j'ai dit pour l'instant, il roule. On met les pneus. Il en reste un. Ouais. Go. Normalement c'est clear quand tu vas sortir. T'auras peut-être une Mercedes. Non, normalement c'est clear. Il y a personne derrière. Allez! Non, derrière toi, c'est le 7ème. L'écart. Attends, je l'ai pas encore. Une seconde 5. Les pneus froids. Méfie-toi. Je vais attendre deux tours avant d'attaquer. Thank you. Oui, là t'es... ça va, ça. Dès que ça change, je peux commencer à reprendre le... Eh, le bonheur des gommes neuves. Encore en dessous. Ouais,
Ouais, ça doit encore chauffer un peu. T'as le temps, derrière toi il est à 10 secondes, 9 secondes. Ouais, j'ai de la marge. Et le leader est à 9 secondes derrière aussi. On est 22e. Je me vois 20e chez moi, mais pas grave. Et il y a encore combien de voitures en course? Toujours 53. Comme je vois pas les abandons, je sais pas dire. T'as touché le mur ou pas? Non, pourquoi? J'ai un track? Non, non, mais moi je te vois défoncer, mais ça va être un bug de mon iRacing. Ah putain, ça fait pas peur. Non, non, j'ai pris un off-track dans Skyline, mais c'est tout, je pense. Et t'es bien 20e. Ouais. Ah, maintenant, ouais, je vois 20e. Allez, c'est bien. Et non, je te confirme, t'as rien du tout. J'ai fait le tour de la voiture. C'est bien qu'Andy soit là, parce que je regarde souvent l'essence, moi. Donc... Ah, c'est clair. Parce que là, il peut pas rouler, mais c'est pas comme s'il se barrait. Alors, il va falloir me laisser passer le grand, merci. Thanks. Ah, excusez-moi, j'ai peut-être un peu perdu le sens des priorités, mais on partait combien sur la grille? Je vais te dire ça. 27, je crois. 27, hein. Vous avez un bout. Je sais pas si c'était 27 ou 37. C'est vrai que le carton au départ, j'ai vraiment pas fait attention. Faut les V10, apparemment ça a tapé fort. Aïe aïe. Je vais manger mon coup. Ok. Ouais, un petit livreur, il fallait bien que ça arrive une fois.
dans la liste, j'espère que c'est un bug. Le leader... Ah, derrière toi c'est 4, 5, 6 à 6 secondes, 7 secondes. T'as le temps. Les 90 litres. Chaque fois c'est dans cette phase là que je suis vraiment difficulté avec les pneus. Enfin pas avec les pneus, avec la voiture. Pourquoi ? Voiture lente devant. Ouais, très lente. T'emmerde pas de dire merci, justement j'allais dire des fois j'envoie les messages au mec. Ah ok. Je savais pas qu'il me faisait dans le compte. Non, c'est pour ça, t'emmerde pas, concentre-toi sur la course. Et les leaders se sont calmés au niveau des chronos, donc ça roule. On rentre dans l'endurance. Ouais, mais on rentre dans l'endurance. Je pourrais tourner plus vite, mais je prends tellement pas de risques pour tourner dans mes 2-8 constamment. Il y a énormément de gens qui ont changé de pilote. Hein. Ouais. Il y en a même qui sont à 3 pilotes déjà. Il y a des soucis de connexion aussi quand ça arrive. C'est pour ça que ça m'inquiète parce que j'ai vu la V10 en fumée et je sais pas que ça. J'ai réfléchi, j'ai mis la croix, je sais pas pourquoi. J'avais quelque chose qui me passait. Allez, la phase des 90 litres est passée. Et c'est ouf. Hein. C'est peut-être psychologique, je sais pas, mais. Je la sens tellement plus facilement. Alors, je te confirme, ils ont bien tapé, ils sont 32e. Ils sont en réparation. Si jamais il y en a qui passent, tu vois cette vidéo, on pourra te poser. Ouais, dommage, parce que c'est un bon petit coup ça. En contraire, la PGW est vraiment sympa. Les petits jeunes, je vais être content que je dise ça. Alors, le plus loin derrière toi est à 5 secondes. Ok. Ils sont en pleine bagarre, parce qu'ils sont 5, 4, 6. Donc. Moi d'un doute on est la première Ferrari. Hein. J'ai que des Mercos jusque là. Je reviens dans un tour, je te dis quoi. Ouais
Cyrus, what are you doing, mate? You're a lap down. C'est pas pour moi. Non, 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 je t'expliquerai après. T'inquiète. Les leaders ont tapé à la chicane avec... Il y avait un gros bordel à la chicane, c'est pour ça que ça a gueulé. Ok, la dernière chicane? Celle que tu vas arriver là, okay. ça a tapé de partout, mais toi t'auras rien. Et on est deuxième Ferrari. Ferrari qui est devant nous, c'est la DB Team et ils sont déjà dans la montagne. Ils entrent dans la montagne. Okay. Ils sont 15e. 15e. Ah. Nous on est 19. Ah, il s'allume à 2 secondes. Nous sommes 18e. Ok. J'ai fait le faire avoir comme on essaie de stabiliser et aller taper à droite. Ouais, tout ça coup, t'as voilé. Voilà. Alors, je tiens à informer les gens sur Twitter à chaque fois que je t'identifie, j'espère que ça vibre pas chez toi. Non, rien du tout. Impeccable. Du coup, pas pour toi. Oui, c'est ce que je vais faire.
C'est un retardataire, tu te doutes, et il est très 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 abîmé. C'est un des mecs qui roule fort, donc je suis pas. Tu connais Max Verstappen? Bonne chance les gars de Hydro. Ah bah GG, merci beaucoup. Tournant 2-8-8 devant mais je te dis il est bien 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 habillé. C'est un des leaders qui est parti à la faute tout à l'heure. Je sais quoi devant ta tête. Fort abîmé aussi. Là, je peux pas le rattraper sinon. À la régulière, je peux pas me battre face au Mercedes. Bagarre avec le 17ème, on est 18. Emery, je veux savoir qui est derrière. C'est le même que tout à l'heure, c'est un retardateur. Ok, c'est la... Tu tournes en 278, tu tournes en 2700. Thanks, Steven. No problem.
Ah, on va la regretter l'aéro, hein. Il y a 10 secondes derrière, on a le 19ème. Okay. Pas la voiture derrière encore. Là. Ah bah, au prochain tour, tu me donneras les chiffres et tu verras que c'est pas le 19ème. Bien joué. Intelligent, il poussera pas. Là, au ralenti au ralenti bah, il va pas vite, hein. Ah, il a peut-être fait une erreur. 3 secondes 9, non, il reprend, Par contre moi je vais les muter, hein, pour pas avoir... Là je les garde parce que tout à l'heure j'ai eu l'info à cause du crash. Bah, on est pas mal. On est bien. Allez, on tourne en 2-6, c'est bien. Je sais pas si c'est ton tour le plus rapide. C'est là où j'étais le plus rapide avec la voiture en essai. Avec 60. Ah ouais. Avec la balance, peut tourner mieux. Il y a devant, je remonte sur lui là. C'est top. Peut-être, ouais. Non, je te confirme, c'était une voiture qui était dans le gros crash de tout à l'heure. Soit ça ou soit ils ont changé de pilote et c'est pas bien vrai. Je vais être obligé de passer la 5 avant le dernier gauche, t'as entendu? Ok. J'étais au-delà du sommet, j'étais au bout de 3 fois, c'est pas bon.
ça fait 3-4 tours que ça me titille, j'en voulais plus en net. J'ai vu que c'est sorti ça fort. Sort des pits, ouais. Et 30ème. Moins de rétine que moi. Derrière aussi, etc. C'est bien, des gens de ton niveau. Tournant 2-8-8 ce dernier tour-là. Bon, tu l'as arrêté devant. Ouais, j'ai pas l'info encore. Si, à gauche, ça tape à gauche. Par droite. Il repart. Il repart juste devant toi. Je l'avais vu. Ah, mais c'est là, ouais. C'est le quatrième. Ouais, ça sert à rien de... il est où derrière? Le 17ème, il est à 2 secondes, 3, 2 secondes. Ah, il est tombé 16, ok. Il y a du monde, hein? Ouais, c'est pour ça, là. Sachant que c'est un drapeau bleu devant, quoi. 5ème, 30ème. Donc le 4-5ème il se tire la c'est ça. Oh là là là. Et 3 voitures derrière toi, t'as le 18ème qui a 7 secondes 6 qui revient fort. 7 secondes. Thank God. Allez, ça doit sauter ça. Ça fait peur. Hein. Ouais, je pense. Il te dit de passer à gauche. Ouais. Hé hey, t'es marrant toi. Là je mets tout, j'ai le pied à fond pour passer avant la courbe. Allez, ouais, ralenti, c'est bon. Pour info, il te reste 16 tours et à 17 minutes de la fin de ton relais, donc c'est à toi qui vois. Soit tu vas au fond de l'essence ou soit tu... C'est toi qui vois. Vu ce qu'on arrive à gagner, si je calcule bien qu'on gagne à peu près 10 minutes par relais, sur les 10 relais, on peut largement gagner un stop. Ouais, ouais, attends, j'attendais la fin. Toi qui vois. Là, il te reste 16 tours ou sinon dans 10 minutes. Franchement, avec 12 heures, on peut en gagner 2. Ouais, on peut en gagner 2, donc faut aller au bout des plans. Faut rentrer quand il reste le tour. On va faire comme ça, Brick. Ah, ok. Physiquement, c'est tenable pour moi pour le moment, donc... je vais être content de m'arrêter, je t'avoue, mais ça va, il n'y a aucun problème de tenue. Ça marche, ça marche. Et pour être honnête, je sens très bien la voiture. Pour l'instant... Limite, j'ai pas envie de m'arrêter.
mais ce qui est devant toi a un problème, c'est pas possible. Ah non. Mais Hut, j'étais déjà derrière lui tout à l'heure et je croyais que c'était lui qui... Oh, voiture en ralentissement. Non, il a laissé passer. Ouais, il va faire pareil. Merci à nos amis du Canada. C'est la Montréal Team, je crois. Thanks, Montréal Team. C'était chaud. C'était très très chaud à l'intérieur. Il n'y avait pas beaucoup de place. Parce que j'ai vu le gros logo Canada. Ah, mais c'est pas lui que j'ai derrière. C'est Almeida. Non, bah il a laissé passer aussi. C'est la Northern Light City. Ouais, c'est Almeida, c'est des Brésiliens. Ouais, ça c'est celui qui t'a fait chier tout à l'heure. Oh, non. Toi ici devant ? Non, derrière toi, c'est celui qui t'avait dit passe left et que t'avais galéré. Oui, c'est... Oh, ça fume dans les pits. Jusque là, on va pas se perdre. Ça sort à gauche. Ouais, la McLaren m'a déjà laissé passer sans problème tout à l'heure. Bien parce qu'il se met devant 16, derrière j'ai 33, 29, 40, ouais donc le 17ème il est à l'aise, ça va. Je sais que j'ai un niveau équivalent au 17ème, c'est la MG rouge, jaune et noir. Ouais, t'en fais pas, rond. Concentre-toi. À 3 secondes 5, 3 secondes 4. Ouais. Go left. Right side. Il m'a pas vu. Clear on the right. Ça va, t'as rien, continue. J'ai fait un x0, je suis pas en tort. T'as rien. La voiture elle a que dalle. C'est le 15ème quoi. Le au bout là-bas là. C'est la première Ferrari, donc si tu passes on sera première Ferrari. Bon, l'état de la voiture. Nickel. Ah je suis désolé, je pensais qu'il m'avait vu, il était à droite, j'ai plongé, j'aurais dû patienter. Erreur de ma part. Non mais le mec s'est mis dans l'herbe juste après, t'inquiète pas, non, c'est juste qu'il est, je pense. Par choc qui est un petit peu abîmé, mais c'est... Bon, de toute façon elle est en ligne, hein. Je sens absolument rien. J'ai fait un x0, donc je suis pas encore. Je ferai la réparation quand je raconte. Oui. Fracasse pas. Il reste 14 tours. C'est ça. Et alors je te répète, devant c'est la première Ferrari, donc si tu passes, on est première Ferrari et on sera 14e. Ah ok. Je vais pas me faire chier à aller la chercher. Non. Je roule. Une petite finale. Qu'est-ce que moi j'avais même pas vu dans quel speed on était. Je sais pas le voir. Je suis en deuxième avant l'épingle. Je vais prendre tellement de précautions que je suis allé en sur-régime, c'est bon. Alors, ça va, ça tient, pas de problème. Oh.
Clayman. Il va tout tirer. Pas décidé à laisser passer. Je vais laisser jouer à leur jeu. Oh, petit sous-virage, ça l'a salopé. Oh, la ferraille s'est loupée. J'avais peur qu'ils reviennent sur la piste. J'espère que c'est pas à cause du mec qui pop. Ouais, j'espère pas non plus, c'est ça. Petite porte. Grâce au travail de partaille. Il est en blue flag, normalement, il doit laisser passer. La Ferrari derrière. Ouais bah il vient de taper fort hein. Ouais. Messieurs, il vient de passer le transpondeur, on est première Ferrari. C'est ça. Il y a le 36ème qui est sorti devant. Je vois rien, je vais devoir me mettre là. J'y vais pas. Alors devant c'est les V10 qui sont partis en route. Je les remercie. Il s'est arrêté quasiment tout ce qui s'est passé. Idiot! Fucking idiot! Non, il t'entend pas, t'es en team seulement. Box! Je sais pas, j'ai des dégâts ou pas? Ça a l'air visuellement, mais. Je le savais, je le savais, je l'ai venu venir gros comme moi! L'avant c'est pareil, l'arrière je vois rien. Ah bah elle est solide notre italienne, parce que je peux vous dire que ça a tapé fort. Je me suis permis de lui envoyer un petit message. Je veux son nom, je veux le report. Rien à foutre. Alors je vérifie que j'ai pas freiné à 150 mètres. Non. Il y a pas coupé, il a essayé de rattaquer. J'étais bien à l'intérieur, j'ai même d'ici sous il peut tirer à droite. J'ai la photo du nom. Thanks God. Arrière de toucher. Chut.
frein arrière touché, j'ai plus d'aéro. Ah bah rentre. Ouais, avant de faire pire. Attends, hein. C'est peut-être simplement la voiture qui doit se remettre en température. Je vais passer les 2 heures. Ça va aller. Juste que je découvre comment elle se comporte dans les virages. Première fois. J'ai pris un garde contact ou j'ai rien pris? Non, t'as rien pris. Mais l'arrière droit, elle a pris cher. Hein. Ouais. Merci. T'as pris un garde contact, ouais. Quoi? Fois 4. Oh le fils de pute! Pardon hein, il n'y aura pas de censure. Oh. Allez, continue. Ah oui, non mais il laisse passer personne. Clébert, non? Ouais. T'inquiète pas, Twitter. I don't think I got any steering damage. You're lucky. C'est con dans ma tête, je me disais, oh, 2 relais parfaits. Allez bien que ça arrive. Hein. Donc prépare la réparation de la voiture neuve quand même. Elle sera pas totalement neuve, mais ouais, t'inquiète. Honnêtement, tu sens quasi rien. J'ai le sentiment que les pneus arrière sont peut-être un peu plus usés, mais franchement, je sens pas de différence dans mon pilotage. Il a repassé ou pas? Non, 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 non. Bon, allez, il me reste 5 minutes. Yo, left car, get out of my way. Il se plaît du même? Je sais pas te dire. Je suis l'essence là. Ouais, 9 coups, ça c'est pas un problème. Come on, Bajor. Thanks, Juan. Appreciate it. Il s'en bat littéralement les couilles. Tu peux pas mettre en mode game? Non, faudra que tu le fasses toi-même. Parce que là t'es sur team, faudra aller sur all team. C'est des Américains. Connard du Michigan. Le pire, c'est le car contact. C'est ça qui me tue. Le reste, je m'en fous. Je vais perdre du temps. On en perdra encore. Et lui, il a rien pris? Non. Oh,
J'ai des dérobades un peu plus importantes à l'arrière, mais hormis ça, la voiture est parfaitement en ligne. Il sème du gravier maintenant. Comme moi depuis tout à l'heure. Pour info, il y a que les trois voitures qui sont derrière nous qui sont dans le même tour, les autres on a un tour d'avance. Pas de risque. S'il faut, on pite et on laisse partir. Thanks, guys. Left side. Clear. C'est deux retardataires. Okay, no problem. Ouf, allez, on est bien dedans. Bien concentré, voiture, pas de différence, en tout cas je la sens pas. The length of steering is not bad, that's amazing. Corée, tu vas vite me soulever.
just does feel like it pushes a little bit mid-corner. Santé. C'est un bon lien contre toi. Ouais. Il a déjà roulé en 2-6, quasiment 2-5. Hey Corey, I just thought you warped pretty bad. Just go ahead and take me on the inside at the end of the chicane, okay? Copy that. Thank you. Flat cars, they're fucking fuck off flat cars, go home. Fin de pneu, mais surtout confiance très très intéressante dans la voiture. Et j'ai un bon lièvre comme tu dis. Ça aide beaucoup le mur. Il faut passer à gauche. Merci mec. Grand merci. La Médan s'est déjà battue et le mec est... Je lui ai envoyé, merci, vous êtes vraiment fair play. Mort comme la première fois.
5-4 tours de la fin, pneu vraiment délicat. Ok. Ça me donne le laisser passer tellement chaud. Un prochain tour tu rentres. Ok. Pas à la fin de celui-ci, à la fin du prochain. Ouais c'est ça. Tout est bon pour la restant, je te demanderai de prendre le relais le temps qu'on prépare. Ouais, ça marche. Merci. Dernier tour et après je te la donne à la fin de ce bus. Ouais, t'as personne devant, c'est tranquille. Ouais, piste libre. Ouais, je vais rentrer comme tout à l'heure, il va rester un peu. On est bien sur la stratégie. T'as retenu ce que je t'ai dit, 90 litres et 70 litres, très délicat du train arrière. Ensuite, après, ça tient. Et alors, quand il reste quelques tours à la fin du relais, là, très précautionneux sur les relances et les délestages. Qu'elle ait plus d'essence parce que maintenant c'est un bonheur. On aurait bien fait une heure comme ça. Thank you. On a validé les réparations, Eric. Ça faudra que je le fasse quand je suis temps. Ok, tant de plus.
garde la balance des freins, moi je suis en 52,4. Je pourrais le changer que dans la voiture. Je te rappelle avant que tu partes, que tu sois pas surpris. Allez, box des slaps. Pense bien à ton limiteur. Allez, Emric. Hein. On est bien. Rappelle-toi les pneus froids en début de relais. Yep. Alerte JRT. Je suis arrêté, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ouais, c'est bon. Okay.